petit peu les gens. Aujourd'hui, petit vlog pour vous parler un petit peu des choses qui se sont passées récemment. On va commencer par la chose que tout le monde, enfin toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux est très clairement au courant, c'est que je me suis fait récemment striker deux vidéos. Ma vidéo introduction sur le concept de visibilité et donc le ciswashing, et une vidéo sur l'humour oppressif. Toutes les deux ont été strikées dans l'heure, toutes les deux avec moins de 100 vues, ce qui élimine la thèse du signalement de masse. Absolument pas pour des raisons de droit d'auteur, hein. YouTube le fait très clairement savoir si c'est du droit d'auteur ou une infraction aux règles de la communauté. Alors qu'il est, j'espère que la vidéo sur l'humour oppressif a été déstrikée, j'en sais rien. La vidéo sur le ciswashing et du coup l'introduction au concept de visibilité, elle est à nouveau en ligne. YouTube ne dit pas pourquoi ça a été signalé, il ne prévient pas quand c'est remis en ligne, il se contente juste de déstriker le truc après qu'on ait fait appel. Ça a mis une semaine, 10 jours, un tweet qui a été retweeté plus de 80 fois, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de soutien. En parlant de soutien, je vais notamment remercier Cordelia qui a fait un tweet qui a été beaucoup retweeté pour genre interpeller YouTube à propos de ma situation. Donc vraiment merci. Merci Cordelia de la chaîne Prince Princesse, je vous mettrai le lien dans la description. Et je souhaiterais également remercier Queer Chrétienne qui a vraiment été très sensible à mon sort, qui a une super chaîne YouTube, honnêtement, que je vous conseille très clairement. Je veux dire, en tant qu'athée agnostique, je pensais pas que c'était possible de, voilà, d'être quelqu'un de croyant et de pratiquant et d'être aussi, ouais, humaine et queer. Donc, ouais. Donc, Queer Chrétienne, super chaîne. Du coup, elle a fait une vidéo de 2 minutes 30 pour genre parler de moi, en fait, et de ce qui m'arrivait. Et du coup, voilà, je lui suis énormément reconnaissante. Donc, si tu regardes ça, si vous regardez ça, Cordelia, Queer Chrétienne, vous êtes géniale et vraiment merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était l'actu des strikes. J'espère que ça va pas se produire pour toutes les vidéos parce que si c'est ça, ça va vraiment me tirer une balle dans le pied. Pourquoi je migre pas, pourquoi je change pas de plateforme? Parce qu'on m'a beaucoup demandé ça. Pourquoi tu vas pas sur Dailymotion ou sur Vimeo? Alors Vimeo en fait, au-delà de 500 mégas, il faut payer 5 euros par mois. Donc voilà, c'est cher, j'ai pas assez d'argent pour me permettre ça. Dailymotion, c'est super rigide. Dès que je poste mes vidéos, elles passent en plus 18. Alors maintenant que je mets plus de tags, a priori ça va. Mais comme d'habitude, le ciswashing par exemple, bah, j'ai mis un tag trans, boum, elle est passée en démonétisé, plus 18 direct. En plus, pour plus 18, il faut scroller en bas, désactiver un petit machin qui est marqué en tout petit, enfin voilà. Voilà, voilà, et en plus Dailymotion, enfin honnêtement, ouais, j'en reviens à ce que disait La Cuisine l'autre jour. Si tu t'appelles pas Karim Debbache, en fait, sur Dailymotion, personne voit rien, quoi. Donc ça, c'est dit. Ceci étant dit, j'uploaderai désormais toutes mes vidéos en double, une sur YouTube et une sur Dailymotion dès leur sortie. Et dans cet ordre-là, YouTube d'abord, Dailymotion ensuite, pour pallier un éventuel strike et que vous puissiez du coup voir les vidéos le plus tôt possible, si ce n'est le jour de leur sortie, au final le lendemain. Je vous mettrai le lien de la chaîne Dailymotion dans la description. J'ai décidé de ne pas reprendre l'orthophonie à Bordeaux. Après une discussion du coup avec ma nouvelle orthophoniste de Bordeaux, on en est plus ou moins arrivé au point où maintenant je suis à l'aise avec ma voix, je l'aime bien. Bien sûr, j'ai des petits soucis au téléphone en général, mais je veux dire, maintenant, je me présente directement dès que j'appelle, et du coup, les choses passent crème, à moins de tomber vraiment sur des abrutis. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'aime bien ma voix, et j'ai décidé de stopper l'orthophonie, au moins temporairement. J'aurais jamais vraiment travaillé dessus, au final. J'aurais surtout fait des exercices pour ma respiration, un petit peu contrôler tout ce qui est son naso, etc. Voilà, je pense que je serais allé plus loin en fait si j'étais resté avec la même orthophoniste qui était absolument géniale. Mais voilà, reprendre, c'est, a priori c'est pas évident. Enfin, anyway. Puis maintenant, voilà, honnêtement, je suis à l'aise avec. Donc voilà, voilà. Mais c'est pas un j'arrête définitivement en vrai. Si ça se trouve, à un moment, je vais avoir une grosse crise de dysphorie à ce sujet-là et je vais être obligé de reprendre. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr.
Quoi d'autre? Hier, j'ai vu dans le Festival international du film indépendant de Bordeaux, donc le FIFIB, j'ai vu un film génial qui s'appelle Battle of the Sexes. Et c'était extraordinaire. En tant que femme, féministe et lesbienne, ce film m'a touché, mais tellement. Honnêtement, si vous êtes une meuf et que vous vous sentez oppressée par les mecs, enfin par la société patriarcale, honnêtement, allez voir Battle of the Sexes, ça sort le 22 novembre 2017, c'est génialissime. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, je me suis senti tellement bien en regardant ça, et en plus, je me suis tellement identifié aux deux personnages principaux féminins, et c'était tellement chouette, et c'était tellement humain, et c'était tellement... Oh putain, ça m'a fait tellement de bien. C'était extraordinaire. Je crois que je m'étais jamais senti aussi bien. J'ai jamais eu autant de... C'est rigolo parce qu'à plein de moments, j'avais cette espèce de d'espoir. Et j'avais l'impression que la situation allait vraiment dans le sens où je voulais, mais je voulais pas avoir trop d'espoir. Et du coup, je savais pas. Et il y avait cette tension qui montait, qui montait, qui montait. Et yes! Je veux dire, c'était tellement bien. C'était tellement bien. C'était tellement, tellement, tellement bien. Voilà, donc 22 novembre, Battle of the Sexes. C'est génialissime. Il y a Emma Stone dedans qui est juste extraordinaire. Voilà, allez-y. Allez-y sans hésiter. Voilà, je vous le recommande, genre, tellement super chaudement, allez-y. Voilà, je voudrais finir juste sur quelque chose que je fais pas d'habitude. Voilà, vous demandez si vous pouvez laisser des pouces bleus sur les vidéos, vous abonner, tout ça, commenter surtout. Je veux dire, je réponds à toutes les questions, je réponds à tout de toute façon. Si vous mettez juste genre super point d'exclamation, eh bien je vais quand même répondre à ça, parce que je serais contente que vous ayez pris le temps de lâcher un com. Voilà, si vous voulez m'aider financièrement, il y a le Tipeee. Honnêtement, ça me permettrait d'arrêter de filmer avec un téléphone fêlé qui s'arrête dans les vidéos à des moments impromptus. Des fois il en a marre, il dit non stop, j'en ai marre de cette meuf, j'arrête de tourner. Et ouais, voilà, et partagez-moi. Je veux dire, j'ai envie de sauver le monde, je sais pas si je vais y arriver, mais ce qui est sûr, c'est que si personne sait que j'existe, j'y arriverai pas. Et du coup, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide pour y arriver, pour qu'ensemble on y arrive. Voilà, merci. Petit peu les gens.